Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ou non des informations. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Inondation en Iran. Depuis hier, plusieurs provinces et plusieurs milliers de kilomètres d'Iran, il est sous inondation. L'eau a pris partout, partout. Comme vous avez vu dans les reportages américains, ce qui se passe en Amérique, aux États-Unis. Ça passait exactement la même chose en Iran. Et plusieurs milliers de personnes disparues, mortes. Et voilà. Ça, c'est depuis hier. Vous voyez, les catastrophes, ça arrive toujours partout. Mais Mitra, on vient de parler de lui, il était le symbole du soleil, l'amour, l'alliance, beauté, fraternité. Les devises françaises, quand on parle de fraternité, c'est emprunté de l'idée de pensée de Mitra. Mitra, il avait un rôle assez important dans les civilisations du monde. Dans toutes les religions zoroastriennes, bouddhistes, parce que Bouddha lui-même, c'est un prince de Khorasan. Khorasan, c'était une province assez grande à l'époque, qui comptait d'Irak jusqu'en partie d'Iran d'aujourd'hui, Pakistan, l'Afghanistan, et même une grande partie de l'Inde jusqu'à Cachemire. Le Bouddha, c'était un prince de Khorasan, qui connaissait bien l'idée de Mitra. Mani aussi, vous avez entendu Mani, disciple de Mitra. Et dans le judaïsme aussi, quand on parle de la lumière et tout ça, et quand on parle des rois perses, ces rois de Zarathoustra, et dans le christianisme, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas David qui vous dit, hein? C'est les recherches françaises et mondiales qui en parlent. Dans l'islam, une partie au départ de la création, qu'il y avait Salman, ami avec Mahomet, il avait appris au départ, juste au départ, au moment qu'il faisait de propagande pour les élections, on peut dire, moment de propagande électorale. Ah, il a emprunté certaines idées de Mitra et de Zarathustra, qui était la Zarathustra, c'était la suite de Mitra. Alors, l'amour était assez important et la raison, cerveau. C'est-à-dire, il ne disait pas à l'époque je suis venu de la part de Dieu. Il disait que je viens pour faire fonctionner le cerveau et l'amour. Cerveau et l'amour. Alors pour ça, si vous connaissez un peu Mitra et Mitraïsme, si c'est le printemps de ces 16 ans de Mitra, je n'ai pas beaucoup parlé de Mitra pendant toutes ces années-là. Mais l'idée, c'est l'idée de l'amour, l'idée de solidarité, faire la paix au lieu de faire la guerre, respecter le contrat, adorer le soleil. Un jour, je me rappelle, mon ami Didier Doplech, que j'avais le plaisir de parler avec lui ici dans le studio face à face, on peut dire dans le fond du dialogue, qu'on ne fait pas tout le temps, quand il parlait de Dieu, il a dit l'œil du ciel, l'œil du monde, énergie du monde, soleil. Tout ce qu'on a, c'est grâce au soleil. Et Mitra était représentant du soleil, cerveau. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ont dit les savants français et les savants du monde concernant Mitra. Mitra, dieu de soleil. Le Vatican s'est fondé sur le temple de Mitra, le Vatican. Et juste au sous-sol du Vatican, vous avez un temple de Mitra avec les statues de Mitra,
Mais milliers sont les statues. Un statut de Mitra, moi je suis allé visiter. La plupart des églises catholiques, c'était le temple de Mitra. Vous voyez? Et la Révolution française, écoutez ça.